Salut tout le monde, c'est Froze76, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Donc là je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qui en est arrivée, donc c'est Crime pour la paix partie 2, donc la suite de la partie 1. Donc la partie 1, je vous avais dit que j'allais acheter la Osiris, blabla. Custom à fond, transmission, frein, tout. Donc là ouais, donc je découvre en même temps que vous la mise à jour, je n'ai toujours pas vu ce qu'il y avait, donc on va commencer directement par les voitures qui viennent d'arriver. Donc dans les jeunes d'Harry peut-être. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Non! Ouh là là! 200. Oh, 2 200 000 la voiture! La Project TZ20 qui vient d'arriver sur le la mise à jour. Ouh là là! Ouh là 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 là! Ouh, celle-là avant de la voir! Il y a la moto aussi qui vient d'arriver! Splendide! Ouh là là, la mise à jour déjà commence très bien. 3 véhicules qui coûtent plus de 600 000. La moto surtout, à mon avis, c'est à coût 630 000. Ouh là là, il y a aussi le tout-terrain. Donc ça, le tout-terrain, je pense que je vais l'acheter. Et je vais peut-être pas acheter celui-là. Ah bah, à combien? Maxi 355 et la Osiris. Ouais, bah, donc je confirme que je vais pas l'acheter parce qu'elle va moins vite que la Osiris en normal. Donc je pense pas que je vais l'acheter ou peut-être plus tard. Mais en tout cas, par contre, ça, le tout terrain 215, vu si on met le custom, c'est possible. Donc là, putain, ça commence plutôt bien cette mise à jour, super. Donc, ouais, donc attendez, je vais juste mettre mon argent. Commence super bien la mise à jour. Donc après, il y a eu des armes, donc on va aller. On va partir avec l'Osiris. Hyper bien la mise à jour là par contre. Juste les voitures, sublime. Voilà, elle coûte 2 200 000, mais je vais pas l'acheter de toute façon. Donc ouais, donc on va commencer. Alors, on va aller plus près, donc on va aller au... Voilà, on va à la Superban là. On voit... Hop, la musique, tu t'en vas. Des nouvelles armes sont disponibles à l'achat dans Humanation. Donc on va aller voir Humanation. Je sais pas s'il y a des nouveaux tenants, je crois pas. De nouveaux véhicules sont disponibles à l'achat. Ouais, ouais, super. Ça commence super bien la mise à jour. Par contre, le véhicule, bah, c'est dommage. Parce que, bah, déjà, le véhicule, il va moins vite que l'Osiris. Donc, déjà, c'est pas. Il coûte plus cher, il va moins vite. Peut-être qu'il est plutôt bien quand même. J'achèterai, moi, déjà, j'ai acheté le 4x4. Je vais acheter la moto aussi, je pense. Dès que j'aurai les sous. Je vais acheter le 4x4 en premier. Et dès que j'aurai la moto, bah, j'économiserai pour acheter la nouvelle voiture. Donc, là, T20. Donc ouais, donc on va commencer, bon, on va voir s'il y a des tenues. Hop. Je ne pense pas qu'il y a des tenues. Tenue de luxe. Ah, si. Voilà, donc les nouvelles tenues, il y en a. Donc il y a... bah, ça commence à partir d'ici, donc les tenues, toutes les nouvelles tenues, voilà. Oh, elle est belle celle-là. Les vêtements sont plutôt bien, je trouve. Non, ça c'est des vieux. Non, je trouve que les vêtements sont plutôt bien. Donc, bah, tant qu'on dit, on va se faire des nouveaux. Un nouvel habit, quoi. Donc. On descend. Non, c'est pas là-dedans. C'est où? Non, bah, ils sont où? Bah, dites donc que des tenues. On va voir les pantalons. Ah, là par contre, en fait, il n'y a que des tenues, j'ai l'impression. Je comprends pas là. Ah, là, blazer de luxe, non, il était déjà. Ah bah dans les par-dessus il y a les nouveaux. Ah non, ça c'est partie 1, là il y a les parties 2. En fait ce sont les mêmes vestes de costume refermées quoi. Ah là il y a les parties 2, voilà. En fait ils sont dans designer comme dans la partie 1. Ouais bon, bah... Bon, il y a des nouveaux quand même, il y a celui-là, non, non celui-là était déjà. Il y a celui-là... En fait il y en a que j'avais pas vu dans la partie 1, c'est bizarre. Non, donc ouais, dans la partie 2, il y en a, mais pas trop ce que je veux. Celui-là, j'aime bien.
partie 1. Ouais, donc je crois que je vais aller acheter une tenue, quoi. Non, bon, voilà, donc la tenue de luxe qui vient d'arriver sur... Dans les... Celui-là aussi, il est pas mal. En fait, il fait un mélange entre les deux, quoi. Non, je crois que je vais acheter celle que je vous ai dit, là. Celle-là, 36 000, elle est bien. Plutôt cool, j'ai juste changé les pantalons et les chaussures. Hop, non, super. Donc, non, ça j'ai dit que je changeais pas. J'ai dit que j'allais changer les chaussures. Dommage qu'on peut pas courir, c'est chiant. Basket. On va mettre ça, non? On va mettre ça. Et le pantalon, c'est le pantalon que j'aime pas trop. Ouais, donc il y a eu quelques trucs en plus, je trouve. Ouais. Ça peut aller, c'est pas trop nul. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire. Ouais, non, je voulais remettre celui que j'avais la dernière fois, mais non. Ouais, celui-là, c'est celui de la dernière fois. Et par contre, j'ai changé les lunettes parce que j'aime pas. Hop. Comme ça, me torcheur. Oh, c'est noir celui-là. Voilà, avec ça. Non, pas ceux-là. Voilà, parfait. Ouais, donc les nouvelles tenues qui viennent d'arriver. Donc là, maintenant, on va aller voir les armes. Je croyais rien eu d'autre après les armes. Les armes, les armes. Un Humanation. Là. Et moi, les armes, je les achète direct. Je cherche pas. Wow. Donc c'est parti avec la petite Osiris. On va se garer. Ok, la moto, c'est pas comme si elle avait fail, quoi. Moi, j'aime bien me garer, c'est trop marrant, ça. C'est qui, la moto? Oh, on va lui crever les pneus, c'est juste, ils sont croyables. Ouais, ils sont croyables. Donc, on va rentrer dans Humanation pour voir tout ce qu'il y a de nouveau. Donc, protection par balle, à mon avis, il n'y a pas... Ça, je l'avais acheté, je me rappelle, pour le braquage. Donc ouais, donc les nouvelles armes. Donc les nouvelles armes. Donc, ah, par contre, je vais en racheter parce que j'en ai plus. À chaque fois, je quitte, ça m'énerve. Alors. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pistolet de précision. Pas de soucis. Ça a l'air plutôt pas mal. On dirait un peu la... Ah oui, alors là, le point américain. Canary aussi. Ouh, ils sont beaux les points quand même. Ils sont pas mal les points. Là, je suis celui-là, tiens. Donc, ouais, donc cette arme-là, elle est bien. On dirait, ouais, comme je dis, on est un peu la M1 Iron. Ça, c'est mise à jour partie, une des crimes pour la paix. Non, Independence Day. Donc ouais, donc bah voilà, le nouveau point américain et la nouvelle arme qui viennent d'arriver. Bah, donc c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Donc c'est tout dans cette mise à jour. Donc j'ai envie de vous montrer les véhicules, parce que je pense que ça en intéresse beaucoup, par contre. Toi, je te sentais pas, arrête, là. Hop, 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 hop. Lester. On va enlever. I take it this isn't a social call. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, mais dans mes nouvelles vidéos, maintenant il y a des intros. Donc dites-moi si vous aimez bien les intros que je mets. Je vais en mettre plusieurs. Et je vais après choisir par rapport à vous ce que vous allez me dire. Donc ouais, donc je vais vous remontrer les voitures. Ah, il y a peut-être des hélicos. Je vais voir s'il y a des hélicos, truc.
Crime pour la paix, une... Ouh, yeah, je l'avais pas vu celui-là, le crime pour la paix. Excusez-moi, mais je vous l'avais pas montré. Donc, il y a deux nouveaux véhicules aussi pour crime pour la paix en heure. Un avion en heure et un hélico en heure. Swift de luxe et Luxor de luxe. Donc, ouais, donc voilà les deux, les trois nouveaux véhicules qui viennent d'arriver. Ah non, les quatre, il y a eu celle-là aussi. Et les cinq, j'avais pas vu celle-là aussi. Ah oui, donc en fait, il y a cinq véhicules qui viennent d'arriver dans cette mise à jour. Cinq. Celle-là, je vais voir combien elle a l'air stylée quand même. 250. 250, celle-là, elle va à combien? 250 aussi. Ah non, celle-là, elle va à 300, ouais, je me dis ici. Donc, ouais, donc voilà. Donc, moi, je vous dis tout de suite, je vais acheter le 4x4 direct. Dès que j'ai des sous, j'achète le 4x4. Avant que je parte en vacances, c'est possible. Bah, donc, c'est tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Frost76. Abonnez-vous, likez et tchuss!